gagné le concours. Bah, hey, c'est vous qui avez gagné le concours du Tour du Monde? Eh oui, c'est moi. C'est Xavier Paul, 49 ans, marié, sans enfant. Tenez ça et souriez aux anges. La même avec votre billet entre les dents. Mon billet, non, on ne m'a pas encore donné mon billet. Tenez, prenez ça. Souriez, vous êtes en deuil, quoi. Non, souriez en regardant le billet, pas moi. Monsieur Tribardier, qu'est-ce qui vous a décidé à participer au concours? Eh ben, c'est à cause de leur numéringus. Vous savez, la troisième question. Quelle est la plante qui donne en même temps des fleurs rouges, jaunes et vertes? Eh ben, c'est l'ornimeringus. Et l'ornimeringus, je croyais que c'était une pâte dentifrice. Vous en avez déjà vu, vous? Mais parfaitement, monsieur. Mon cousin m'en a rapporté de Madagascar. Alors, je lis ça dans le journal. Ma femme me dit, pourquoi tu ne répondrais pas? Oui. Et elle est contente, votre femme? Mais bien sûr qu'elle est contente. Et puis moi aussi. Et puis, je serais encore plus content si on me donnait l'argent à la place du billet. Quoi? Ça vous dit rien de voyager? Oh, les voyages, vous savez. Pour aller où? Si vous découvrez le Népal, le Venezuela, le je sais pas moi, le Japon, tenez. Oh, le Japon, c'est plein de Chinois. On sait ça par cœur, c'est pas la peine d'aller vérifier. Tandis qu'avec l'argent, ma femme et moi, on peut se mettre un petit pécule de côté et nous voulons tranquille. Voulez-vous que je vous dise ce que je pense? Écoute. Tribardier Paul, vous êtes pénible. Oh, là, hé, doucement, hein. Mais il fait perdre assez de temps comme ça. Tenez, allez, en route pour le tour du monde. Oh mais ça vous dérange et ça vous engueule, bande de lardus. Il est là, Marnier? Oui, mais il est au rouge, faut pas le déranger. Toujours mariée, malheureuse? Oui. Fidèle? Oui. Eh ben crève. Monsieur Marnier, j'ai une idée fumante pour le journal. Vous voulez faire un journal avec des idées, vous? Ça ira comme ça, merci. Vous savez le type qui a gagné le Tour du Monde? On peut lui racheter son billet. Il est prêt à le bazarder à n'importe quel prix. Et alors? Et alors? Bah vous me donnez le billet, je pars. Je vous ramène un truc à tout casser. Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, le lecteur s'en fout, il n'y a que le Tour de France qui fait vendre. Kessel, vous connaissez? C'est pas possible. Excusez-moi, je vous avais pris pour le petit rivard. Écoutez-moi, monsieur Marnier. Si je vous fais le Tour du Monde sans argent, ça vous dit quelque chose? Ah, là, il commence à y avoir une idée. Là, il y a un angle. Asseyez-vous. Donc, j'ai 22 ans et je suis Kessel. Ben voyons. Je m'embarque clandestinement. C'est dans mes prix, mais comment? Ça me regarde. Si je réussis à quitter l'Europe, vous payez le voyage à mon petit copain Bob pour qu'il vienne nous rejoindre. Bob Curry, le photographe? On part, on se débrouille pour vivre, et on vous envoie des reportages. Un billet pour deux. Un billet pour deux. Ça marche? Dites donc, vous m'enverrez pas aussi des SOS ravitaillement, hein, parce que je vous préviens tout de suite, l'intendance ne suivra pas. Un billet pour deux, c'est tout. Ça marche! Il faut aider la jeunesse. Pas de là. Je vais voir comment se présente la situation. Arrivée en provenance de Belgrade et Zagreb. Vol Yougoslavensky Aérotransport 244, poste D10, porte numéro 39. Arrival from Belgrade and Zagreb. Vol Yougoslavensky Aérotransport 244.
Ça y est, j'ai trouvé le truc. Caracas? C'est ça, à Caracas. J'espère qu'il fait bon à Caracas. Il doit sûrement faire bon à Caracas. 105. 105. C'est parfait. À quelle heure arrive-t-il à Caracas? Oh, il doit y être à cette heure-ci. Mais alors qu'est-ce que vous faites ici, vous? Vous auriez dû être sur place pour le photographier à son arrivée comme vous l'avez fait au départ. Mais vous ne m'avez pas donné d'argent. Mais alors filez en vitesse à la caisse et faites-vous donner le prix du billet, à cheval. Avec une rallonge? Une petite rallonge. Préparez un billet pour Bob Curry. Oui, l'Américain. Caracas. Mais non, pas en première classe, classe touriste, Bob. Vous êtes famille nombreuse? Non. La tarif. Bon appétit, monsieur dame. Mais, c'est pas vrai. Tu n'es pas à Caracas? Non. Et toi? Mais, je t'ai vu monter dans l'avion. Eh ben, j'ai atterri tout de suite, mon pote. Et à grand coup de patte d'entrain. La tête en bas, les pieds en l'air, ils m'ont mis. Ils m'auraient laissé crever, hein. J'ai soif. Et qu'est-ce que tu as fait? Du foin. J'ai fait du foin, je sers qu'on me sorte de là. Tu vois la suite? Le commissaire. Pour cette fois, je passe l'éponge. La prochaine fois, craque en tôle. 2 heures. J'ai poireauté chez les flics. Et Dieu que Manier m'a donné le fric. Quoi? Il a lâché le prix du billet? Bob Curry, viens là que je t'embrasse. Tu me fais pas rire. Quand je pense qu'il va falloir rendre son chèque à Manier. Rendre l'argent? Oh non, mais tu perds tes bas. Puisqu'on n'est pas parti. Mais je suis parti. Je ne suis pas pour vous, mais je suis parti. Et toi aussi. Et c'est pas maintenant qu'on va sauter en marche. Manier a été correct. Et on doit lui dire la vérité. Il faut pas être malhonnête. Surtout quand ça peut se remarquer. Bob a raison, c'est pas honnête. Ah, toi, hein, mêle-toi de Citroyard d'abord. Bob va rendre cet argent. Enfin, Bob, tu vas pas me lâcher, quoi. Je te lâche pas. Mais t'as des scrupules. On lui a promis quoi à Marnier? Des photos et des articles du monde entier. Alors que ça vienne de Caracas ou d'ailleurs, il s'en moque, Marnier. Le monde entier, c'est partout, tu sais. Mais partout où? Mais avec le prix de ton billet, on prend un passage pour l'Égypte. Du Caire, on monte le Nil jusqu'à Khartoum. Hé, hey, Khartoum, Pierre, Marnier ne m'a pas donné 200 000 balles pour qu'on aille faire le tourisme en Égypte. Il me les a données pour que j'aille à Caracas. Photographier cette aboutie de Riba en train de sortir de mal. Et ça c'est raté parce que M. Riba n'est pas coutu de traverser l'Atlantique avec la tête en bas et les pieds en l'air. Et M. Riba est snob. Tu veux que je m'y remette dans la malle? Dis-le que je m'y remette. Et si quelqu'un s'assied sur le mal, tu vas encore faire un scandale et on ira faire nos reportages en Cayenne. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais pas partir tout seul. Non.
Pourquoi veux-tu absolument entraîner Bob dans cette aventure? Parce que j'ai besoin d'un photographe. Même d'un mauvais. Et puis parce que j'ai besoin d'un ami. Bon, ben, débrouillez-vous. Moi, je pars demain et toute seule. Et où vas-tu? À Bamako. À Bamako? Tu l'as entendu, elle va à Bamako. Et toi, quand tu quittes la Seine-et-Oise, elle se roule par terre. J'en ai marre. Allô? Oui. Dites-moi donc. C'est Magné. À quelle heure est votre avion demain? 6 heures. Vous m'entendez, Curry? Quand partez-vous? À 6 heures. Ah, 6 heures, monsieur. Parfait. Vous pourrez me faire demain matin un reportage au Trocadéro, comme d'habitude, mais cette fois une collection pour chiens. Oui, monsieur. Oui, d'accord, monsieur. Oui, les petits. D'ici demain 6 heures, on a le temps d'avoir des idées. France, un café vite et l'addition. Mais non, pas terre, c'est les chiens qui m'intéressent. Bob, j'ai une idée fantastique. Tant pis, dis-la quand même. C'est dans la fouille. Demain matin, on se beurre des tartines à Caracas. Ah bon, et comment pas? Bicyclette? Écoute, on a un billet, on a un bagage accompagné. Pas besoin de passer en fraude, vu? Je prends l'avion, et qu'est-ce qu'il y aura dans la petite valise? Un photographe, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et évidemment, si la douane fait ouvrir la malle, on est marron. Mais s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de plaisir, d'accord? Non, je ne pars pas, non et non. La malle est à vous, monsieur? Oui, la malle est à moi. Faisez-la, s'il vous plaît. Et doucement, vous avez vu ce qu'il y a écrit dessus? Fragile. Et le haut en haut et le bas en bas. 105. 105. 80 kilos d'excédent, ça vous fera 2280 francs tourants. Ancien? Non, nouveau. Nouveau? Oh, nouveau, c'est pas possible, ça ne va pas du tout. 28,50 le kilo. Vous pouvez faire le calcul vous-même. Oh, faire le calcul moi-même, de toute façon, c'est pas possible. C'est plus cher que pour une grande personne. Alors, les tarifs sont les mêmes pour toutes les compagnies, monsieur. Et puis vous me dites ça à moi. À qui voulez-vous que je le dise? J'y peux rien, c'est pas moi qui veux le règlement. Moi non plus. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On l'enregistre ou pas? Ah, ben, ce tarif-là, c'est pas possible. Vous pouvez pas me faire un petit rabais? Je suis militaire. Vous pouvez peut-être enlever une partie du contenu et puis l'expédier par voie maritime. Attendez, je vous l'ouvre. Surtout pas! Touchez pas, hein! Touchez pas. Il a raison, il y a peut-être des bricoles que vous pouvez envoyer en petite vitesse. Des bricoles? C'est pas des bricoles? Tout? Tout de quoi? Une statue. Ah bah oui, je peux tout de même pas envoyer les pieds par avion et la tête par bateau, ça fait pas sérieux. J'ai travaillé 2 ans sur cette statue. Seulement, je suis pas un sculpteur classé. Enfin, pas encore. Je suis qu'un jeune. La ville de Caracas, elle devait me l'acheter à l'arrivée. Seulement voilà, le voyage, il est à mes frais. J'ai mis toutes mes économies. Ah, tant pis, les gars. Ouvrez ça! Non, mais dites donc, pour qui vous vous prenez, hein? Hein? Regardez, stupéfiant. Ouvrez ça. Touchez pas! Pas question, hein? Pas de question. Et voilà! Bravo! Vous êtes le millionnaire personne photographié sur le pellicule Magné. Le hasard vous a fait gagner la Mercedes 300 SL. On vous attend chez Marnier pour vous mettre les clés. 12 bis, avenue MacMahon, Paris 8e. Bravo, monsieur. Marnier, l'empereur de la pellicule. La pellicule des jeunes pour les jeunes, c'est monsieur. Monsieur, dis ton nom, Camille. Camille Margoto. Margoto. 8 en face des croisés, à vendre. À vendre. Allez vite, on va dire au patron qu'on a trouvé le gagnant. Et bravo, monsieur. Bravo, monsieur. Bravo, vous êtes formidable, les gars, bravo. J'ai peut-être une idée. Peut-être. Ah non, pas question, hein. Tes idées, mon vieux, j'en ai ma claque. C'est comme ça que dit chez vous, j'en ai ma claque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais au journal pour rendre son chèque à Magné. Non. Si. Non. Si tu fais ça, je te parle plus pendant 15 ans. Eh ben, tu m'as crié, hein. Mais enfin, Bob, tu peux pas. On est embarqués tous les deux maintenant. Embarqués?
Ah oui, ça fait 2 jours qu'on est embarqué, comme tu dis. On est toujours 2 stations de métro du journal. C'est ça que tu appelles l'aventure? À ce train-là, dans 2 ans, on était à Orléans. Comment tu vas expliquer ça, Manier? Mais justement, on va rien m'expliquer. On va tailler la route. Et voilà, on est parti. On est parti pour se faire éjecter le journal, oui! Tu ne peux pas garder cet argent, Pierre. Mais je vais pas le garder. Je vais le dépenser. Mais c'est de l'escroquerie, tu m'entends? Oh. Fous le camp. Reste! Tu vas pas me trahir? On est deux frères. Oui, mais c'est moi l'année. Et je décide. Et je décide qu'elle a fini de marcher à côté de nos pompes, comme dirait Pierre Ribard. Alors prends la douche et fais le ménage. Ça te passera les nerfs. Au revoir, mon petit ballon. Allô? Allô, El Periodico? El Giornale? Sì, sì. Pourrais-je parler il signore Margni? Margni? Sì. Oyeme, signorita. Signorita, oyeme. Et que je vous appelle de Caracas. C'est pour ça, vous êtes très loin. Et allô, 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 et de la part del signor Ribarde. Comment? Ribarde, si. De la part de qui? Che gli per? Roberto, Ines, Bilbao, Anita, Raman, Ole, si. Ah. Si, come si prononce, si. Allô, Ribard. Allô, vous m'entendez bien, monsieur Marnier? Non, non, allô, ah, mais, ah, non, ne coupez pas, voyons, vous voyez bien que je parle avec Caracas. Je vous entends très mal. Ah, oh, ça va beaucoup mieux. Ah, bon, alors vous êtes arrivé, mon vieux. Très bien, bravo. Alors, tout va bien? Ah, bah non, ça ne va pas du tout. Allô, Parigi Terminado. Mais non, mademoiselle, ne coupez pas. Mais mademoiselle, je suis en train de parler. Allô, allô, oui, oui, monsieur Marnier. Bah oui, je vous disais, ça ne va pas du tout. Bah, Bob Curie n'est pas encore arrivé. Ah oui, alors moi, je sais pas quoi faire ici. Alors, je suis en carafe. Vous êtes en carafe? Mais non, je suis pas en carafe. Je suis en carafe à Caracas. Ah, vous êtes en carafe? Bah oui. Bah alors, je l'attends. Je vous l'envoie, Bob Curie. Par le premier avion. Je ne comprends pas ce qui a pu arriver à Bob Curie. Bon, eh ben, je vais couper parce que ça va vous coûter cher, hein. Je vous dis bravo. 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 Bravo, monsieur Curie. Vous revenez de Caracas, je suppose? C'est-à-dire qu'on a eu un empêchement. Et je vais vous expliquer. Vous n'allez rien m'expliquer du tout. À quelle heure part le prochain avion pour Caracas? Donc 45 minutes. Vous allez le prendre. Mais c'est inutile maintenant. Ribard n'est pas parti. Vous vous foutez de moi? Non, monsieur, j'ai pas les moyens. Répétez-moi donc que Ribard n'est pas parti. Ribard n'est pas parti. Vous êtes un menteur, monsieur Curie. Je le quitte à l'instant, au téléphone. Et savez-vous d'où il m'appelait? De son lit. Non, monsieur. Il m'appelait de Caracas. Ah, ça vous épate? Oui, ça m'épate. Et ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire. Vous permettez? À qui téléphonez-vous? À monsieur Pierre Ribard, à Caracas, Danton, 81-61. Je vous passe monsieur Ribard à Caracas. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Veuillez consulter l'annuaire ou le centre de renseignement. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Veuillez consulter l'annuaire ou le centre de renseignement. Je me suis trompé. Je refais le numéro. Et tout ça, ça fait des frais. Entre. Bob est là? Non. Voilà. Alors bien? Au 4e stop, il sera exactement 16h52 minutes. À Caracas, tout de suite! Ah, heureusement qu'ils ont raccroché, sinon j'étais obligé de donner l'heure jusqu'à perpète. Vous partez instantanément. Mais quelqu'un va vous mettre dans l'avion, je ne peux plus vous faire confiance. Mais c'est idiot, monsieur, je vous le dis, je me répète. Ah oui, répétez-moi, qu'est-ce que je dis, idiot, pour voir. Mais je... Il n'a pas de mettre.
Si vous êtes encore en France ce soir, ce n'est plus la peine de remettre le pied au journal demain. Sophie, demandez le break. Vous accompagnez Curie à l'aéroport. Vol Paris-Caracas. Alors qu'il est, il est bâillonné dans une voiture du journal et il fonce à tout berzingue vers l'aéroport. Moi aussi, je prends l'avion, je te rappelle. Je sais, Bamako. Tu veux pas venir avec nous à Caracas? Un billet pour deux et maintenant un billet pour trois. Tu sais ce qu'il te faudrait, Pierre? Une femme! Non, du repos. Allez, je ne me laisserai pas insulter par une hôtesse de l'air. On y va? Riba est à Paris! Je ne veux pas prendre cet avion! Riba est à Paris! Tu comprends, en France, toi t'es hôtesse de l'air, tu voles à 10 000 mètres d'altitude. Pendant ce temps, ton Bob il vole pas, à cause de toi, c'est pas bien. Je veux pas qu'il soit tout le temps parti. Mais alors quoi? Tu veux qu'il t'attende à la maison en tricotant? À chapeau, tu seras un homme, mon fils! Moi je vais laisser tomber mon métier d'hôtesse pour me marier. Je ne veux pas épouser un courant d'air, voilà, je suis frileuse. France, ma petite France, laisse-le partir, aide-le à partir. Il partira, et puis il reviendra, et il restera. Sans ça, il restera, et puis il partira, et il reviendra pas. Tu comprends ce que je veux dire? On a gagné, c'est le 14 juillet alors. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, pardonnez-moi l'expression, madame, mais on a crevé. C'est pas vrai, l'avion part dans 7 minutes. Et alors, vous voulez que je vous prenne sur mon dos? Oh, c'est épouvantable. Oh, pour un manque de peau, alors ça c'est un manque de peau. C'est affreux, faut faire quelque chose, faut faire du stop. Oui, 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 là, vas-y. Oh, allez, oh, il y a peu de temps, 6 minutes. C'est Bob. Quoi? C'est Bob, là. Écoute-moi. Hé, hey, c'est ma fiancée. Allez-y vite, alors. Allez-y, hé. Hey. Bob! Attendez! Oh, l'argent du voyage! Bob! Ah, sauvé! Où tu allais comme ça? J'ai été fait aux pattes à cause de ce cinglé. Qui? Pierre. Et toi? Tu vas où? À Bamako. Je laisse la voiture à l'aéroport, Pierre me l'a prêtée. Il est fou, tu sais. Il a téléphoné au journal et il a dit au rédacteur en chef qu'il était à... Signor Margne, de la part del signor Ribarde du Venezuela. Tu m'as fait peur, Bouti, hein. Si le taxi n'avait pas crevé, j'étais parti pour la gloire, moi. Mais tu es parti. Je vais te conduire à l'aéroport à coups de pied, mon vieux camarade. Et avec quoi on achète le billet? Eh ben, t'as l'argent. Non. Il est resté dans le taxi avec le fille. Je t'aime. Allez, t'as gagné, on dépose France à l'aéroport. Et on rentre à la maison. Au revoir. À bientôt. Merci. Mais tu vas où? Je sais pas où on va, mais j'y vais à fond de cale. Et toi aussi. Et tu vas pas à Paris? Non, on est parti, mon petit vieux. Si j'ai compris, on quitte Paris. Mais tu es fou, c'est un enlèvement. Absolument, saute si tu peux. La 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 la. Tu as de l'argent? Non, et toi? La la. Oui, j'ai 500 francs anciens. On n'ira pas loin. À voir. La 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 ya la 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 batsum 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 si j'ai compris on quitte Paris.